Salut tout le monde. Bon, je sais pas si on me voit. On est au lever du jour. Et on est au parc de la rivière Leu. On va faire. On va aller sur le tracé du GR, l'étape 4, Wanneroodoo, un truc comme ça. Jusqu'au muletier, un truc comme ça, on va voir. Je suis avec mon ami Olivier. Hello. Je sais pas si on voit. Ah si, on commence à voir, dis donc. Eh ben, on me voit aussi alors. C'est ça. Hé, hey, tata bisous. À tout à l'heure. Re coucou. Bon, ça y est, on est parti sur les GR, sur étape 4. Alors, que je vous explique. Comme un âne, j'ai oublié ma montre GPS à la maison. Donc, excusez-moi, mais pour cette fois-ci, il n'y aura pas de tracé GPS. On essaye d'en avoir un avec le téléphone à Olivier. C'est sur quel site, toi? Sur Province Sud. Hein. Province Sud. Loisirs, c'est ça, hein? C'est ça. On va bien voir si on peut avoir un tracé GPS, mais... Tant pis, sinon il n'y en aura pas. Allez, on avance. À tout à l'heure, comme dirait Fabrice. Dès le départ, on fait monter le cardio. Ouais. Tu sens l'intérieur quand tu... Ah, ah, il va faire chaud de bonheur. Ok. Allez. Je vous dis à tout à l'heure. Et ça monte. Ouh. Doit être à moitié zinzin. Ok, à tout à l'heure. Waouh. On a déjà une belle vue là. Au lever du jour. Je sais pas si on va avoir le lever de soleil avec la couverture nuageuse là. Mais... On se méfie, normalement ils annoncent des orages. On verra bien. C'est déjà joli là. Allez. Et ça monte. Et ça monte. À tout à l'heure. Voilà en sous-bois. Et ça remonte. Pour l'instant, ça monte. Ça monte, ça monte. Et il fait une chaleur. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Waouh. Avec le soleil qui se lève là-bas. Là. On a quand même un plan super. On va voir tout à l'heure avec le lever de soleil. Normalement, on devrait être en haut au lever de soleil parce que ça monte encore. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà ce qu'on vient chercher, les amis. C'est ça. Seul. Face à tant de grandioses. On va avoir un magnifique lever de soleil. Et franchement, le lac, il commence à avoir une couleur rosée au loin là. C'est magnifique. Voilà, bon bah Olivier, je peux crever demain. J'aurais au moins vu ça. Ah, ça y est. Ah, mon cœur, il a lâché. Bon, je vais attendre encore un peu. C'est bien parce que tu me le demandes. Il faut bien que je trouve des conneries à raconter. Fabrice, il est pas là. Wow. Je vois le soleil derrière. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que maintenant, il va bien nous chauffer la gueule aussi. Maintenant qu'il est levé. Oh, c'est chouette. Hein. Purée. Ok. Bah, allez, je vous dis à tout à l'heure. On va voir s'il y a des... Arrivé en haut, on aura un autre plan de vue. Tata! Je sais pas si vous voyez la montée de dingue. Fouah! L'enfoiré! Et je transpire, mais alors... Je sais pas combien il fait, mais... On doit déjà être à 30. Purée! Ouais. La forêt noyée là-bas. Ah ouais, là, il y a froid, là, la vue.
Magnifique. C'est là que tu vois qu'il est grand le lac. Hein, ouais, c'est grand. Hein. Purée. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, bah on en a chié, mais alors, le point de vue vaut le coup. Le point de vue vaut le coup. Putain, comment que c'est couvert là-bas? Il pleut déjà là-bas. Ah ouais, il y a une chaussée qu'ils amènent là. Ok. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Profitez bien, hein, parce que c'est moi qui en chie pour filmer tout ça là. Allez, à tout à l'heure. Hop là. Enfin, dans la descente. Et en même temps, on a de l'ombre. Ça nous permet de récupérer, parce que là, la montée... C'est-à-dire qu'on va avoir ça à remonter après. Oh, regardez-moi cette vue. Oh. Ok, toujours dans la descente. Wow. Et là, on a un point de vue, je ne sais pas si vous le voyez. Au fond, là-bas, on a un point de vue sur le pont Pérignon, là. Qui est pas mal du tout, en fait. Pas mal du tout. On s'en rapproche, parce que je pense qu'on va descendre, on va aller sur la colline, là-bas, en bas. Hop. Et à mon avis, on va se rapprocher du pont Pérignon qui est là-bas. Ok, bon, je vais essayer de rattraper mon petit Olivier parce que je filme, mais lui, il avance. Arrête de tricher! Oh, profite, ça descend. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On descend, on descend. On va pas vous péter quand même. Tout à l'heure, ça montait. On était fatigué. Là, ça descend. C'est vraiment une belle étape. Il y a des beaux points de vue. Là, on a encore un beau point de vue là-bas sur le fameux pont Pérignon. Hop, là, ça descend bien. Hop, ça. Oh, c'est pas si glissant que ça, hein. Allez, je vous dis okay. Nous voilà au creek du Bon Secours, le voilà. Point numéro 7. Et que c'est là que vous faites la bifurcation entre le 4A, qui lui continue à monter, et le 4B qui se dirige vers le pont Pérignon. Donc là, vous avez... tout ce qu'il faut, sanitaire, eau, et normalement il y a un petit creek. Il y a même un petit coin pour faire un barbecue. Et ouais, c'est après, hein, pour tout ça. Le petit creek il est là en fait. Le chemin est là-bas. Le chemin est là-bas, voilà. Ok. Ah oui, là on devrait avoir un bon point de vue aussi. Le pont des trois fûts. Ok. Bon. Bah il n'y a pas les fûts alors. Ok. Bon, et là on va reprendre le GR. À la personne qui a oublié ses claquettes, veuillez récupérer au point d'information. Fou. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ok. Bon, voilà. On arrive sur le lac. On a descendu tout ça, en fait. Et on arrive sur le... Normalement, sur le pont Pérignon. Mais alors... il fait une chaleur. Je sais pas, t'as quelle heure, Olivier, là? Il doit bien être 7h, au moins. C'est 7h30. Ouais, il fait une chaleur là. Une chaleur du feu de diable. Ouais, je vous dirai quand on sera au pont Pérignon, on en est pas loin. A tout à l'heure. Ok. Bon. Bah, nous voilà arrivés au pont Pérignon. Le fameux pont Pérignon. Avec des beaux points de vue. Et puis voilà. Et puis on va s'arrêter là en fait. On va s'arrêter au pont Pérignon pour aujourd'hui parce qu'en fait il fait une chaleur donc on a déjà tout le retour à faire.
il fait une bonne chaleur déjà et on ne voudrait pas trop pousser la machine trop loin. C'est bien qu'on l'a déjà poussé. Mais bon, ça en valait le coup. Hein. Il y a des beaux points de vue. Il est pas mal ce pont. Ok. Bon, bah voilà, c'est. Il est temps pour moi de vous faire tata. Et puis on se reverra sur d'autres chemins, d'autres sentiers. On vous fait des gros tata. Tata tout le monde. À la prochaine. Ah ouais, à l'année prochaine maintenant. Salut.